Mbote na bino bandeko ya PPDC Résistance Kieto, bandeko ya fond de combattants congolais, pe boyo ya parti politique démocrate combattant. Kombo nangai ezali Mbole Kangila Mbakio Mangikila. Mingi na bino bayebi ngai, mi mingi misusu bayebi ngai te. Tosololaka mingi na makomi, lelo nazwi mwa temps mpo na kolakisa mwa elongi na baye oyo bayebi ngai malamu mingi te. Elobi ete tozali kosola likambo etali mboka na biso pe etali ndenge nini tokotambola mpona bamarshe oyo tolingi kosalama pe na ndenge na biso ya kokendele na kati ya etumba pe ya kobongisi mboka na biso ya futur oyo tozali kobongisa. Nayebi na bandeko mingi tozali na badivergence. Misusu bazali na ba idéologie mosusu oyo ezali na bokeseni na oyo ya biso. Lokola tozali na même pensée, même démarche, ndenge tolingi kokende mpona kobongisa mboka, mais tokende kobongisa mboka na ndenge ya kimia. Tokosolola mingi pe na kotika na yo kusabino mwa eloko moke tokutaki kosala na kati ya réunion elekaki bikolo eleki ya PPDC Résistance Kieto pe ya Parti Politique Démocrate Combattant. Bongo tokosukisa na nsima mpona koyeba eloko nini oyo tolingi na avenir na biso ya Congo. Je vous remercie. Il y a tellement de vêtements qui se passent actuellement dans notre pays que nous tolérons. Je pense que nous ne pouvons plus nous permettre de laisser ce genre de choses se reproduire encore à nouveau dans notre pays. Notre pays avance. Mais c'est nous, ses habitants, qui ne voulons pas du tout le suivre. Nous ne pouvons pas laisser que le pays avance en grand pas et que nous faisons des grands pas en arrière parce que nous ne voulons pas nous projeter dans l'avenir. Dans cet avenir que je vous parle, nous ne pouvons pas laisser ceux qui nous maintiennent dans l'esclavage, ceux qui nous maintiennent sous la coupe de la domination des autres États, rester encore au pouvoir ou espérer encore attendre une quinzaine d'années pour espérer que nous puissions avoir une vraie démocratie dans notre pays. Nous attendons dans les cours de la semaine. Il y en a qui disent, il y en a qui contredisent. Mais nous ne pouvons pas jouer dans leur jeu. Nous devons avancer. Puisque si nous commençons à rentrer dans leur jeu, parce qu'un tel dit ou un tel démon ou dit qu'il ne peut pas, il peut pas dire de telles choses, mais nous avons qu'un seul objectif. C'est de maintenir les caps jusqu'en 2016. Monsieur Kabila, il est arrivé au terme de son mandat. Et nous devons tout faire pour lui faire comprendre qu'un mandat de plus, cela veut dire des troubles ou des violences graves pour notre pays. Nous ne pouvons plus nous permettre. Nous ne pouvons plus non plus laisser que ces gens qui disent de telles choses puissent se mettre en avant pour nous garder encore plus longtemps jusqu'à ce que nous puissions arriver en 2016. Il est temps que tous nous puissions nous réveiller. Il est temps que tous nous puissions marcher pour changer les choses que nous voulons dans notre pays. Un Congo nouveau ne peut se garantir que s'il y a ces habitants qui sont réveillés, qui se manifestent pour que
événements puissent être dites ou ne pas dites. Vous vous dites combattants. Oui, à vous que je m'adresse. Vous tous, qu'on vous voit dans les marches, lorsque vous revendiquez vos droits. On vous voit dans le Facebook, partout, lorsque vous montrez votre engagement pour aller libérer notre pays. Mais nous devons savoir qu'un pays ne se libère pas que dans des actions, mais il se libère aussi en préparant pour des élections ou pour des actions beaucoup plus concrètes que ce que nous sommes en train de faire. Oui. Nous devons changer. Pour changement, pour ce changement, nous devons aussi mettre en place des choses pour que ce que nous sommes en train de maintenir ou que de faire puisse se concrétiser dans les bonnes voies. Je ne dis pas que les marches sont mal. Je ne parle pas que ceux qui font des marches sont des êtres à ne pas écouter. Mais c'est tous ensemble. Ces actions doivent être accompagnées par des propositions ou des projets. Ces actions doivent être suivies par des gens plein motivés pour aller revendiquer des droits là où il faut. Ce n'est pas dans la rue que nous allons mettre des projets ou des propositions. C'est dans l'Assemblée, c'est dans la politique, c'est dans les bases mêmes de notre fondement de la nation que nous devons ancrer l'idéologie que nous sommes en train de défendre. Mais si nous continuons seulement que dans les marches, si nous laissons seulement que ces gens puissent se déjouer, puissent nous laisser marcher, comme ils savent très bien que nous marchons, mais c'est eux qui décident. Mais, par contre, si nous inversons les rôles, et nous allons avec une force concrète, avec des gens motivés pour aller reprendre le pouvoir, je pense que ces gens comprendront que nous ne voulons plus qu'il y ait des bêtises dans notre pays. Ils comprendront que nous sommes réveillés. Ils comprendront que le temps est arrivé. Ils comprendront que le Congo devient une nation forte. Mais, mes frères, nous parlons des marches, mais je vois peu de gens qui parlent des élections présidentielles prévues dans quelques années. Nous prévoyons déjà des marches, ou nous annonçons des marches en Belgique, en France, en Angleterre, aux États-Unis et dans d'autres pays que je ne cite pas, bien sûr. Je n'oublie pas les enfants qui sont aussi en Afrique du Sud. Nous ne pouvons pas être derrière des gens. Non, je préfère dire des machines à perdre. Ces gens qui n'arrivent pas à nous faire progresser dans la lutte, puisqu'ils sont là depuis toujours. Vous les avez suivis. En 2016, nous étions tous mobilisés autour d'un homme, autour d'un homme. Mais ça ne nous a pas suffi parce que cette personne ne nous a pas démontré que nous pouvons absolument compter sur lui. Mais cela change. Et là, je veux que tout le monde soit derrière moi. Je veux que nous puissions tous vous mobiliser autour d'un nom. Celui qui sort du milieu de nous. Un combattant issu du milieu de son peuple. Au milieu de ses frères. C'est là même que nous devons commencer à suivre. Oui, candidat Mbole Mangikila, moi je vous appelle tous de venir maintenant, de venir me voir. Je veux que nous commençons à travailler. Je rappelle tous les groupes de combattants, compatriotes, résistants. Vous tous, vous venez pour que nous puissions
commencer à travailler. Le travail, ça se fait seulement avec de la rigueur. Le travail, ça se fait avec des gens motivés. Le travail, ça se fait avec des gens qui veulent qu'il y ait du changement dans notre pays. Et ceux qui ne veulent pas qu'il y ait du changement dans notre pays, ils vont nous maintenir dans l'oubli. Ils vont chercher que nous puissions marcher sans pour autant progresser, pour aller faire changer des choses. Ils vont vouloir que nous puissions toujours stagner, rester au même niveau. Marche, marche, et marche sans concrétiser. Mais moi, je vous parle. Il est temps que nous puissions marcher parce que nous devons mobiliser, mais aussi avoir un suivi des propositions, des projets pour aller finaliser tout ce que nous avons entamé. Nous ne pouvons pas attendre 2015 ou 2016 pour qu'il y ait une mobilisation de masse. C'est maintenant que nous devons nous proposer. C'est maintenant que nous devons nous maintenir en position d'alerte. C'est maintenant que nous devons dire stop, assez stop. C'est maintenant que nous devons commencer à verrouiller, à dire à tous ces groupes qui viennent chercher les gâteaux que nous, les enfants de la nation Congo, nous sommes présents. Alors, je rappelle les groupes, les combattants, résistants, militaires, commandos, vous tous. Il y a la nouvelle ordre, un nouveau homme qui vient de sortir. Celui-là même qui sort du sein de votre sein. Celui-là même qui sort de la nation Congo. Nous allons bâtir un monde nouveau. Et ce monde nouveau renaîtra à chacun de nous. Ce monde nouveau, ce ne sera pas moi seul, bien sûr que je pense, mais ce sera vous, vous les compatriotes, vous qui maintenez de l'ordre, vous qui cherchez qu'il puisse avoir la stabilité, vous tous, nous allons rétablir cette paix que nous n'arrivons pas à mettre en place. Maintenant, et pas demain, maintenant, je dis tout le monde derrière moi, maintenant. Je veux que toutes les choses puissent se passer en ordre, maintenant. Je veux que je puisse avoir tous les engagements et que les hommes nécessaires pour progresser dans cette lutte. Que notre Dieu vous bénisse tous. Au nom de Volozi, au nom du Dieu de nos ancêtres, de tout Nzambawakoko Nabiso, Nazara Nabiso Banso, Bashung Nabiso. Combattant et pas aujourd'hui dans la vie dans le téléma. Combattant dans la vie dans le téléma. Tamola et pas une socorose à la vie dans le ticaté. Donc, au ticaté, dans le temps de la tina souka. Donc, la vie sera libérée. La vie indéta. Indéta, la vie, des choses à la prison. Dans le combat de la vie, dans le combat de la femme au Kimba. Vous avez la vie sur indéta. 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 Ouais, na ndenge uti kolobama ingeta elobami mbala misato elobami mbala misato elobi lokola au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On est bien ami ingeta trois fois. Boyoki ndenge uti koloba ezali ma kambo ya ko sala polémique il souté. Foto eba ndenge ne tokotambola ndenge ne tolingi mpona mboka oyo tolingi totongana na future ezali koya na sika awa tokomi na ntango ya mokuse mpona kokoma na 2016 tozali lisusu na ntango ya kodestabilize baye oyo bazali na pouvoir te mpona kosala mosala na ndenge esenge beni tozali lisusu na besoin il y a qu'au sommet de la zizanité. Mais par contre, tu as commis la tango, il y a qu'à encourager le gouvernement pour que ça la maille, ou il y a qu'au pessaké, puis ce tango, tu as qu'au ya, tu as bongi ça.
Je redemande donc à mes frères, à ceux qui pensent que nous devons à tout prix déstabiliser ou arrêter celui qui est en place, je ne pense pas que ça puisse être une bonne démarche pour notre pays. Par contre, nous devons obliger celui qui est actuellement à la tête de notre État à faire en sorte que l'équilibre puisse être retrouvé. Il doit mettre tout ce qui est en œuvre pour permettre que nous puissions avoir un outil déjà préétabli. Lorsque nous allons revenir, nous allons tout simplement acheminer pour finaliser toutes les choses qui n'ont pas été achevées. Voilà comment je pense que nous devons commencer à marcher. En essayant de déstabiliser, nous déstabilisons toutes les bonnes choses qui sont en train de se préparer. Mais nous devons être prudents. Nous ne devons pas aussi donner l'opportunité à celui qui est en place de se sentir en sécurité pour faire de n'importe quoi. Mais par contre, à travailler pour notre pays, qui puisse trouver la stabilité nécessaire. Nous avons obligé le gouvernement à y répondre pour y mettre terme face aux troubles que nos frères et nos sœurs ont subis dans notre partie Est. Je suis fier d'être combattant et je suis fier de tout le travail que tous les groupes de combattants ont pu faire. Parce que sans nous, on n'aurait pas eu ce que nous avons aujourd'hui. Mais ce n'est pas un travail qui est fini. Nous encourageons encore le gouvernement et non à faire l'hypocrisie, à faire un pas en avant et à faire deux pas en arrière. C'est de forcer le pouvoir rwandais à y mettre terme face aux troubles qui se font encore sur notre partie est ou ailleurs sur le territoire national. Nous devons être présents. Présents pour accompagner ceux qui sont en place à nous préparer une meilleure place que nous allons reprendre. C'est dans cette façon que je pense que nous devons commencer à marcher. Il n'est donc pas question que nous puissions toucher à la Constitution nationale actuellement, parce que cela ne résoudra pas le problème que nous avons, mais par contre faciliterait celui qui est actuellement en place de bénéficier d'un troisième mandat pour encore troubler la population. Nous le savons que notre constitution sera à changer. Mais, comme vous pouvez tous le savoir, toutes les conditions ne sont pas encore unies pour que cela puisse se faire dans l'état actuel. Mais nous le ferons au temps voulu, avec le consentement de tout l'ensemble de notre population. Je redemande à M. Joseph Kabila de mettre en état de droit, de remettre la paix sur notre pays, de mettre un terme avec tous les groupes
tous les groupes du rebelle ou du M23 ou de ses branches ou filiales avec les Rwandais ou avec le Paul Kagame, nous devons mettre terme à tout cela. C'est dans ce sens que je pense que nous allons construire véritablement un pays et non à faire chasse de ceux qui sont actuellement au pouvoir pour les déstabiliser. C'est là qui crée encore de troubles permanents pour notre pays. Je pense que c'est à eux de nous démontrer maintenant qu'ils sont des hommes politiques qui travaillent pour notre pays. C'est à eux de nous prouver qu'ils veulent que notre pays puisse aller en avant. Être combattant, cela veut dire nous revendiquons des droits, nous revendiquons des valeurs, nous voulons un meilleur futur que celle qu'on nous présente aujourd'hui. C'est ça d'être combattant. Ce n'est pas, comme certains peuvent le dire, les anti-systèmes qui renforcent quelque chose de négatif. Oui, je préfère être anti-système actuel, mais tout en ramenant quelque chose de meilleur pour notre futur que de ramener des troubles permanents. C'est à nous combattants de comprendre que nous ne pouvons pas gagner notre lutte si nous agissons de telle sorte. Mais par contre, si nous rentrons dans le chemin de la démocratie et de la voie diplomatique, je pense que nous aurons plus de chances de l'emporter parce que nous arrivons pour changer les choses et non pour ramener les anciennes habitudes que nous ne voulons plus qu'il y ait dans notre pays. Un meilleur futur que nous proposons. Un meilleur Congo, meilleur que celui qu'on nous présente par M. Kabila actuellement. Que je veux que tout le monde puisse adhérer dans cette idéologie. Nous avons jusqu'en 2016 pour laisser la place à ceux qui nous suivront dans le directif que nous allons prendre. En même temps, nous laissons aussi le temps à celui qui est en place de faire un bon travail pour nous faciliter la tâche. Je ne suis pas toujours fier de voir des troubles dans mon pays. Je ne suis pas toujours fier de voir des morts, des massacres, des violés dans mon pays. Il est temps que cela change. Et je pense que c'est avec nous tous que nous devons faire ce chemin-là pour changer des choses. Un nouveau Congo vaut aussi des idéologies, de gens, de jeunes ou de vieux, ceux qui veulent que nous puissions vraiment marcher pour changer toute cette mentalité. Nous ne pouvons pas que rester autour d'un moule, autour de ceux qui ont toujours été avec le pouvoir, parce qu'ils ont certaines connaissances, parce qu'ils ont des carnets d'adresses, parce que ils veulent maintenir le système auquel nous devons toujours être soumis. Mais ramener de nouveau, de gens nouveaux. Seuls ceux qui rêvent d'un meilleur futur, ceux qui veulent
que nous puissions aussi le faire. C'est avec eux que je demande qu'ils puissent me joindre pour que nous puissions marcher, pour que nous puissions y aller, pour que nous puissions construire et bâtir un monde nouveau, un Congo nouveau. Un homme seul face à l'immense de la population ne peut rien. Mais un homme entouré, écouté, peut arriver à le faire. Donc j'ai besoin de vous tous. Maintenant. Maintenant. Pas demain. Demain sera trop tard. Puisque demain, nous arrivons déjà en 2016. Aujourd'hui, nous préparons 2016. Voilà comment nous devons procéder. Voilà ce qui est l'idéologie que nous pensons dans PPDC ou dans Parti politique démocrate combattant. Il est temps que nous commencions à préparer les élections présidentielles. Il est temps que nous puissions commencer à former un groupe. Il est temps de se mettre au travail. Je vous remercie tous. C'était Mbole Mangikila.